Bonsoir, et les espions, on bouge plus, les mains en l'air. Allez, la police, allez. Et je vous emmerde, là, les autres, hein, je vous emmerde. Est-ce que t'es chez moi? Oui, madère, oui. Il y a du liquide jaune qui sort de vos tétons, vous aussi, ou pas? Monsieur, arrêtez-vous. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Non. 39, 18, bonsoir à tous. Bonsoir, 39. Ah, ok. Ça va? Y'a quelqu'un? Si, ça va. Ils sont tous partis au match de foot, là. Ah oui, match de foot, bah oui. Pourquoi Kayden, déjà t'es là et t'es pas sur un côté, l'autre côté ou Bradley? Ah, je suis ici, moi. Ouais, la police, ouais. Voilà, Young Fu. Ouais. Je veux un P, un O, un L, un I, un C, un E, un D, un T, la police. Ouais, la police. Ouais, je suis un ultra, moi. Vive la police. Et je vous emmerde, là, les autres, hein, je vous emmerde. Nous, on va gagner, nous. Comment ça, ils nous emmerdent? Eh, je vous emmerde, madame, je vous emmerde. Ouais, ouais. On est où? On dirait Marseille. Ouais, qu'est-ce que t'en suis là? Non, regarde, regarde. Non, en bleu sort. Allez, joue là! La compte de tes morts! Vous êtes bien motivé, monsieur. Pardon, vous avez dit quoi, madame? J'ai dit, vous êtes bien motivé, monsieur. Oui, oui, Ilia, oui, je suis très motivé. Vous vous appelez comment, madame? Adriana. Adriana, comme moi, ça tombe bien. Tout, t'es en train de crier, ferme-la, s'il te plaît. Je crie pas du tout, monsieur, allez vous faire foutre. Tu cries. Monsieur, on est dans un stade de foot, vous croyez que j'ai pas crié? Monsieur, mais sortez si vous êtes aigri. Hier, elle était aigrie ici. C'est elle qui parle alors qu'elle fait 1m40 et elle prend un tabouret pour mettre sur une chaise. J'espère que tu crieras au bon moment par contre. Hein. Qui? Toi. Eh vas-y, toi, tu vas m'énerver depuis tout à l'heure. Toi, sors de là, toi. Va te niquer ta mère. On a le droit de parler, c'est du trash talk, c'est normal, on a le droit. Ah, casse-toi, casse-toi. Vous allez perdre. Casse-toi, va jouer là. Je joue pas, moi. Bah reste sur le côté, ferme là, je vais. Mais non, le remplacement. Je vais te planter là, je vais te planter, tu vas voir. Vas-y, ouais. C'est un flic, hein. Je suis pas flic, je suis un supporter de flic, je suis plus flic, moi, c'est bon. Comment ça, t'es plus flic, toi? J'arrête la police. Ah bah arrête bien alors. Et je fais pas 1m40, je fais 1m60, ok? Madame, je ne vous connais pas, vous ne savez pas comment je m'appelle. Ça va, 37, ça va? Ça va et toi, Yonko? Pourquoi y'a un cargo? Ouais, ça va. 37, tu veux pas mettre Fiti, ça passe de Madère, je t'en supplie. Non, je fais un peu jouer Madère après ça. Eh, pourquoi y'a un cargo bob sur le toit de la LSPD? Je sais pas du tout, c'était pour la prison, je crois. Ok. Ouais, Madère! C'est comment sur le drapeau? Vous jouez pas vous deux là? Vas-y, montre! Mais joue! Pas du tout, mais y'en a un CSP. Madère, va te faire enculer! Oh, le capitaine, réveille-moi, Madère! Mais c'est quoi ce gardien là? Adam de 26, on s'occupe de la prochaine super. Ah, 14. Oden, on est occupé ailleurs. Mais vas-y, frère! Madère, arrête! Toi, sinon je te sors du terrain. Se concentrer! Madère! Regarde la balle, elle est devant, tu regardes même pas la balle. Ballon! Oui! Allez, Madère, je te masse les épaules, d'accord? Ça commence! Madère! Ils ont dit, c'est quoi ce genre de merde, Skin? Skin, il a un souci mental! C'est entre le trash talk. Ramenez-moi le ballon là. C'est trop bien de jouer au foot, wesh. Qu'est-ce que vous faites? Sortez du terrain, vous, monsieur, là. Oui, j'ai ramassé la balle pour les Yankees, là-bas. Ramassez, allez, Yankees, hein. Allez, cassez-vous du terrain, monsieur. Oui, cassez-vous. Oh, merde. Putain, mon écran, sa mère. Crachez sur les gens. N'a pas sur la caméra. Mal Bobby. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Mal poli, t'as caché. Mais il y a un hôpital psychiatrique à côté ou quoi là? Pourquoi il y a que des oufs là? Ta gueule. Monsieur, bon, les hot dogs, monsieur, c'est là-bas le stand, d'accord? Donc allez-y, qu'est-ce que vous faites ici là sur le terrain? Moi, je suis arbitre. Ah oui? Là, vous êtes arbitre là? Vous arbitrez là? Oui. Là-bas, là, ça joue là, monsieur. Vous arbitrez là? Ah, je suis arbitre de touche. Arbitre de touche, ah ok. Touche. Ah oui, pas. Ah oui. Pas mon truc, c'est que je veux dire touche. Ouais, c'est drôle. Ok. Une touche, c'est quand la balle elle sort dehors. Ah ouais, ah! Tu connais Batman? Non? C'est lequel ton film préféré de Batman? C'est proche un peu là. Bah, je connais pas. Tu veux que je t'explique l'histoire de Batman? Oui, c'est quoi? Alors, en fait, c'est un petit garçon qui s'appelle Bruce Wayne. Et que quand il a les petits garçons qui fait le théâtre. Et qu'à un moment, eh ben, il y a le besoin. Madame Tango, ZB19 sur Daniel 1042, pardon. Et je suis désolé, la radio, c'est parce qu'il y avait un fou, il me parlait, il fallait que je parte vite. 10-4.
Allez la police, allez! Ça fait trop peur, espèce de bâtard. Pardon, pardon. Allez la police! Eh viens Madère, tu t'assois sur le banc et tu bouges plus. Oui. En fait, je dois surveiller. Voilà, tu surveilles, mais en dehors du terrain. Ouais, tu surveilles la balle en dehors du terrain, ouais Madère. Ça va Madère? Ça va? Oui, et toi? Viens, on crée une musique pour les encourager. Le chauve à gauche. Vas-y. Vas-y, on fait à 3, on dit vive la police. 1, 2, 3. Une fois, je voulais te dire pardon. Oui, par rapport à quoi? Pour la musique que j'ai fait où je t'ai insulté, je le pensais pas. Quelle musique? Ah, oh, bah non, en fait, c'est bon, laisse tomber si tu as pas entendu, t'inquiète. Ah, je te mets des grosses baffes là, c'est marrant. Aïe, ah, la marine. Aïe. T'aimes bien, t'aimes bien, Madère, t'aimes bien les claques? Oui, t'aimes bien? Non. T'aimes bien, c'est bon les claques, hein? Non, hop là, je te pousse, hop là! Non, prie. Elle a l'air d'adorer ça. Oh. Allez, le public, là, on se réveille, c'est quoi ce public endormi là? Allez! Ouais! Ouais! Ouais, ils sont un. Ouais! À lourd, hein, lourd le public, hein. C'est lourd, lourd, mais attends, c'est le coup d'envoi aussi. C'est deux d'être un bébé. Deux d'être un bébé. Attends, je vais faire une Pogba, je vais faire un petit sort là, attendez. Petrificus, totalus, kiris, biris, birem, manus. FCCB. Fais une réverio là. Je suis en train de jeter un sort là contre l'équipe adverse. La police, on va gagner, vous allez voir. Bon, banane, charge ta fin, kudilim, pirim, 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 pirim. Vas-y, revenons. Ah, aïe, pardon. C'est Papy qui a ouvert, je l'appelle direct. Pardon. Madame, excusez-moi. Oui. Vous voulez que je vous amende pour exhibition sur la voie publique, madame? Pardon, exhibition de quoi? Madame, là, vous êtes à moitié toute nue sur une place publique en train de faire le trottoir. Je vous permets pas, hein, c'est pas parce que vous êtes un policier que vous allez. Je vais vous laisser vous permettre de manquer de respect, ok? C'est votre mari? Non. Ah, d'accord, très bien. Madame, parce que là, actuellement, vous êtes toute nue sur un buisson. Pas toute nue, loin de là. Oui, j'ai une robe. Oui, bon, madame n'a pas de culotte. C'est quoi votre matricule? C'est quoi votre matricule? Elle n'a pas de culotte? Comment ça, elle n'a pas de culotte? Ça veut dire que vous gardez les parties de culotte? Ben non, monsieur, mais ça se voit. Il y a des enfants, monsieur. C'est monsieur 39. Vous regardez les gens sans leur autorisation. Bravo. Bah, ah bon. Le consentement, monsieur. Surtout que j'ai les jambes croisées, monsieur l'argent, là, donc. Donc là, si je vous regarde, c'est illégal. Ouais, c'est ça. Mais espèce d'enculé, toi, mais tu veux que je t'en foute une? Mais t'es malade, toi? Mais t'es malade? Mais monsieur, vous êtes irrespectueux, c'est un truc de fou. On va se calmer. Hein. Madère. On va se calmer. Demain, j'ai dit exhibition sur la voie publique, y'a tout le monde qui est venu là, hein. Ah, vous voulez voir des gens tout nus, c'est ça? Bande de fous. Oui, parce qu'il y a Madère. Et par contre, alors le monsieur derrière qui est torse nu. Madame, monsieur me parle. Oui, Madère, qu'est-ce qu'il y a, Madère? Oui, dis-moi, Madère. Est-ce que t'es chinois? Oui, Madère, oui. D'accord. Oui, Madère. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, il est. Du coup, chinois, congolais. Oui. Les messieurs, ils sont pas à poil du coup. Non, c'est différent, madame. Eux, ils sont torse nu. Vous, si vous êtes torse nu, c'est seins nus. Oui. Et alors? Ah bah. Bien dit. En vrai. Ah, j'avoue, c'est compliqué ce débat là. Compliqué. Bah oui, pourquoi les hommes auraient le droit d'être torse nu et pas les femmes? On a pas de sens. C'est compliqué. Bah, si, vous avez nous, c'est pas un appareil génétique. Non. Nous, c'est pas un appareil génétique, je crois. Si, c'est aussi génétique. Ça fait partie de votre génétique. C'est vrai. Mais c'est vrai. Votre ADN et tout ce que vous voulez. Mais non, non. J'ai une question, vu que toi t'es musclé, est-ce que à force les tétons ils sont fragiles? Ils sont sensibles. Ils pointent tout seul aussi. Ouais, ça pique de fou, genre en mode ils sont trop sensibles. Ah, vous aussi, parfois il y a du liquide jaune. Il y a du liquide jaune qui sort de vos tétons, vous aussi ou pas? Comment ça? Quoi? Ah, bah que moi? Ah merde! C'est à cause de la. Faut les consulter vraiment. Ah merde! Il y a des problèmes de santé. Ah, je crois que c'est grave là. Ah oui, c'est grave. Et quand vous faites caca dessus sans faire exprès, parfois ça colle pas un peu au slip quand vous marchez, c'est un peu gênant, non? C'est mou. Bah, on fait pas caca dessus déjà, faut vraiment à l'hôpital la consulter. Ah merde, excusez-moi. Moi je vais descendre. Hein. Et bon, madame, arrêtez de tout sexualiser partout là, d'accord? Et rhabillez-vous. Sexualiser tout. Non, c'est la madame qui sexualise tout. Elle a dit que les tétons ça. Et moi j'ai rien demandé. Ils ont des nouveaux scanners. Allez consulter, allez faire un scanner. Oh pardon, excusez-moi, j'ai failli vous en mettre une. Il y a 10 nouveaux étages, tu vois, à l'hôpital.
Bon, allez. Je vais aller à l'hôpital. 39, 10, 12, quelqu'un pourrait me prendre. Ah, patrouille, pardon, excusez-moi. Oh mon dieu. On a Adam avec 14 si jamais. Avec 14, très bien. Est-ce qu'il est là, 9-4? 9-4, c'est la tienne en place. Quelqu'un peut réitérer, s'il vous plaît, ce qui s'est passé en radio là? Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Service, bonsoir. Bonsoir. Je connais pas les films. 05, il est mort. Yes! Et bon, par contre, la radio, s'il vous plaît, merci. Ah, il est mort, 05, ouais, je... Oh, Zubillah! Aïe! Aïe! Pourquoi j'ai peur? Je suis un flic! Ah non, faut que j'aille avec mes collègues! 39, y a-t-il quelqu'un pour venir en DOA? Quelqu'un a le TPH de 37? 73. Merci beaucoup. Wesh, il les collectionne les numéros ou il les apprend? Ouais, 37, oui! Je viens de faire une découverte de fou sans faire exprès! Mais je suis tout seul, tu peux venir ou pas en DOA? Je t'envoie quelqu'un. Je suis tombé sur... il y a eu plein de weed. Mais je peux pas aller tout seul là. Je t'envoie quelqu'un. Je suis au poste de police, vas-y. Ah, c'est vous pour la DOA? Ça va. Ouais. Venez vite, on sent rien de DOA. Enfin venez, on va à la truc. À la MCD? Ouais, MCD, ouais. Il y a tout le monde au match de foot, c'est dingue. Non mais j'ai trouvé un truc de fou les mecs. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé une plantation de weed. Nous moi j'ai trouvé une plantation de coke l'autre jour. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Faut prendre des photos, faire regarder, checker les allées venues et on détruit? Si on détruit. Je sais pas. Hein. Si, je te jure, on détruit. Si tu le dis, je le crois. 04, la dernière fois, on a fait ça avec lui, il a détruit. T'es DOA, toi? Non, t'es pas DOA! C'est pour ça qu'on te dit qu'on te croit! Ah, vous me croyez pas? Ah, t'es notre sensei en DOA là, nous on est pas DOA, nous on connaît pas. Sensei, oh my machine, Nero Sasuke, nani, qui va pas t'en donner ma salade, big up? C'est ton problème. Ah non, c'est. Wesh! Qui a fait ça? Tu veux qu'on s'habille en mode racaille? Ouais, habillez-vous en mode racaille. Habillez-vous okay. Comme un ar... Oula. C'est ça ton problème, pardon. J'ai rien dit. Il a dit un arbre. Bah comme un arbre. Dans le... Un arbre... On met de l'écorce. C'est ça, comme ça on est camouflé quoi. Vous êtes trop bizarres les mecs. J'allais au match de foot. Et du coup je passe par là, tu vois. Comme quelqu'un de normal. Ouais, carrément. Comme quelqu'un de normal, je passe par là pour aller au match de foot. Et là je vois quoi? Je vois une voiture ici, elle est posée, elle est bizarre ici. Là. Je suis juste devant, on est juste devant. Attendez, on va se garer là à côté. Et là, du coup, je vais pas, je me dis au calme, c'est une voiture qui est garée. Et là, quand je reviens, et ben je rentre par hasard. Et là, venez voir. Ah, mais t'as armé GPB. Attends. Attendez, il y a une voiture dans les parages. Ah oui, c'est l'autoroute. Venez. roulade, tout le monde, roulade. 1, 2, 3, roulade. Comment tu fais? C'est... Allez, allez, la police! Eh, police! T'es trop fort. Je sais, c'est pur. T'es trop fort. Je sais, merci. J'en veux un qui surveille l'entrée, on sait jamais si on se fait attaquer. C'est de la coque, c'est le même truc qu'on a pété l'autre jour. C'est de la coque? C'est de la coque. Ah, c'est de la coque, oui, on casse, hein, d'accord? On casse. Je vais t'aider. On casse, hein. Ah, photo, merde, photo, tac, arrête! T'es pas touché? Attends, je te les prends les photos si tu veux. Tu peux me mettre sur le FDP après? Ouais, je m'y suis. Oui, bien sûr. Je casse, hein. Hop là, je casse tout. Voilà. C'est bon, tout est cassé là, c'est super. Hop là. Aïe! Oh, pardon. Excuse-moi. Je t'ai mis la photo. Putain, je suis trop content. Ah, je suis trop content, les gars, wesh. Juste au-dessus de ta photo. Au-dessus de ma photo? Je t'ai mis la photo, regarde. Attends. Ouais, vas-y. Ah, j'ai vu.
C'est bon, c'est carré. Bien vu, je ferai un truc avec la photo, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Attends, faut que je prenne la photo aussi de l'endroit. Carré. T'aurais dû enquêter pour savoir c'est qui. Ah mais l'enquête elle se fait après, frérot. Là tu veux que je, là comment tu veux que je sache qui c'est? Attends, il y a une caméra. Attends, pousse. Je peux pas voir qui c'est là. Ah merde. Non, y'a rien dedans. Là c'est impossible. Y'a aucune preuve, rien. Fouille le coffre. Quel coffre? Ici, y'a un coffre. Ah ouais, bien vu. J'ai pas fait attention. Ah, tu te planques? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait, on sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Eh, vous voulez qu'on se planque devant, on attend? Eh, venez, venez. Ça peut durer longtemps, hein. Ouais, c'est ça en fait. Ah, ça peut durer longtemps, les frères. Eh, il y avait un coffre au bureau. Je pense qu'on va attendre en vrai. Vous voulez qu'on attende un peu? Attendez, attendez, j'arrive. Les individus qui rentrent 39. Venez. 2-2-2-2. C'est dans cette retour. Venez, vite. Bonsoir, et l'espion, on bouge plus! On bouge plus, les mains en l'air! Les mains en l'air! On bouge plus! Personne ne bouge! Monsieur, je vous ai vu retirer votre cagoule, ça sert plus à rien. Ils sont deux, ils louent le deuxième. Dehors. Ils sont deux. Et les agents de l'équipe de foot là, tous dans les véhicules. Ok. Non, monsieur, on va reculer nulle part! On va reculer nulle part! On va reculer nulle part! On a deux voitures! Aidez-moi, s'il vous plaît! Dites-moi, je parle avec vous. Non, je vous ai vu tous les deux rentrer non masqués. Attendez. On va pas sortir. Revenez discuter, vas-y. Vas-y, revenez. Je reviens ici, vas-y. Les collègues, gardez-les en joue. Attendez, 39, je veux des unités, deux, s'il vous plaît. 2 ou 3 dames sur ce backup là. On a trouvé de la drogue qui poussait. Et les individus sont venus ici. Très bien. Je t'envoie une unité. Ils sont armés, merci beaucoup. Ok. Sont bon alors, retirez vos masques, non. On peut discuter tranquille, ça sert plus à rien monsieur, je saurais vous décrire. On va discuter maintenant tout de suite. Sans masque? Très bien. Avec un masque. Avec un masque, ok. Ouais, alors oui, je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites ici par hasard monsieur, par hasard? Ah vous savez très bien. Vous alors, on ne pousse plus monsieur. Comment ça on pousse plus? On pousse plus? Ah ça a poussé là. Ça a poussé, mais ça a fondu là, ça marche plus. On fait comment, monsieur? Ouais, comment on fait? Est-ce que vous vous rendez, on vous arrête et on fait ce qu'il y a à faire? Vous voulez faire ça autrement? Moi, je veux simplement partir. Simplement partir? Cet homme-là. C'est pas votre otage, monsieur, c'est pas votre otage. Arrêtez. Mais je serais pas sûr. Je serais pas aussi sûr. Monsieur, c'est pas votre otage, On vous a vu. Hein. Là, à la porte, y a une porte, là, ce qu'on va faire, vous porte, allez déposer vos armes, on vous embarque, vous êtes en état d'arrestation, d'accord? Je n'ai pas d'armes, moi je n'ai pas d'armes. D'accord, vous n'avez pas d'armes, mais vous êtes son collègue. Je vais juste rentrer avec lui parce que c'est compliqué. Le braquet. Puis on est entre guillemets forcé. Il me devait de l'argent, je l'ai braqué avec moi, je lui ai dit tu fais ça. Et maintenant, il a pas reçu, maintenant je le braque. Très bien, donc ça veut dire qu'actuellement vous serez capable de mettre une balle dans la jambe, c'est ça? Comment? Vous serez capable de lui mettre une balle dans la jambe, c'est ça? Bien sûr. En vrai, je le tasse, mais je sais que c'est pas son pote. Vous voulez que je lui mette une balle dans la jambe, c'est ça la question? Déconnez pas. On veut pas ça, nous. Bah, voilà, on veut pas. On n'est pas là pour ça. Donc, tranquille, on n'est pas là pour ça, avec cet homme-là, en le braquant. Il va monter avec moi. Je vais monter dans mon véhicule et on va partir. Non. Monsieur, c'est pas votre pote, monsieur. Pourquoi il y a une cagoule d'ailleurs? On retire la cagoule, monsieur l'otage d'ailleurs. Pas de soucis. Alors, Bonsoir. Capitaine. Oh, il y a un otage. Non, capitaine, justement, pour vous expliquer. Alors, on les a vus rentrer, hein, c'est pas du tout leur pote. Ils venaient donc récupérer leurs plantes qu'on a cassées au préalable. Et une longue histoire, je peux vous expliquer ou pas? Et donc là, il fait semblant de le prendre en otage, en gros. Je peux vous expliquer ou pas? Oui, expliquez. En gros, cet homme derrière moi, il force à travailler pour lui, sinon il va tuer ma famille. Du coup, c'est compliqué, c'est pour ça que... Oh là là, tu t'expliquais. Monsieur le gouverneur. Donc est-ce que je peux tranquillement... Comment ça va?
dehors avec cet homme avant que je le tue. On va voir ça, attendez, on va voir ça. Famille, elle meurt. Est-ce qu'il négocie là actuellement? C'est nous trois là, DOA. Ok, tu prends Youngfu? Tu prends le lead complet? Donc on négocie comme ça là ou? Oui, négocier là. Bah par contre, arrêtez de vous braquer quand même. Si on commence les négociations, arrêtez de vous braquer, messieurs. Non, je veux pas mourir, je veux pas mourir moi. Vous voulez pas baisser votre arme? Ok. Pour des négociations, monsieur. On va négocier avec les flics alors. Si tu veux pas. Bah c'est gentil de votre part en tout cas. Monsieur, écoutez-moi. Dites-moi. Attendez. Mais en fait, c'est pas. Il ne vous braque plus. Ok. Je vais demander à mes autres collègues d'arrêter de vous braquer. D'arrêter de braquer l'otage. Comme ça, on a des négociations stables. Ah, la personne ne braque. Parfait. Ok. Les agents venaient avec moi. 14, tu restes avec Youngfu. Ok. Bon. Mais monsieur, comment voulez qu'on procède? Moi, je veux simplement m'en sortir d'ici. Parce que ici, je suis enfermé, c'est un guépier. Je vais simplement sortir, prendre le véhicule, et après il suivra ce qui se passe. Vous savez que maintenant on a potentiellement votre portrait robot. Effectivement, je sais. Vous avez aussi la voiture avec la plaque. Vous avez des jolis cheveux longs, monsieur. Et soyeux. Je sais. Bon. Ils veulent quoi, la 39? Ils veulent simplement s'enfuir. Mais en fait, moi ce qui me déplaît, c'est que... c'est pas son otage, réellement. Une longue histoire, comme je les ai vus rentrer comme ça en fait. Ouais, je suis rentré pacifiquement avec lui parce que je l'ai sa famille en otage. Ah bon? Et s'il me suit pas. Pourquoi vous le braquiez sachant que vous n'avez rien à vous reprocher en fait? Et pourquoi vous mettez une cagoule, vous, l'otage? C'est ma force à me cagouler. C'est logique. C'est quoi, 39? Ok, ouais. Juste pas mourir, monsieur. Vous allez prendre le volant et vous allez les détruire au volant. Ok, ça marche. Bah, allez-y, monsieur. Vous, on est en rempo, hein. Le soi-disant otage, mais il est complice, vous le prenez? Ah bah il reste avec nous si. Non, je le garde avec moi, hein. Bah venez, on va sortir ensemble, d'accord? Tous ensemble, d'accord? On va sortir ensemble. Passez devant, je vous suis. Non, passez devant, on vous suit. Non, passez devant, parce qu'il y a les collègues qui sont devant. Les collègues, attendez-les quand ils partent, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Putain, je vais mourir. On est en rempo, nous, faudrait qu'on prenne nos voitures. Attends, capitaine, nous on est en rempo, on pourra pas faire la course poursuite. Mais je vais la faire, moi. Ouais, capitaine et moi, on va s'occuper de la poursuite. 10-4, allez-y, ouais. Bon, on prend le soi-disant otage, venez avec nous. Y'a besoin de backup ou pas? Non, 39 va récupérer un véhicule, il y a anticipation. Gardez-le, j'arrive. Pardon, je vais voir s'il a posé un truc dans le coffre. Putain, les gars, le plan de génie, mais wesh! Attendez, c'est la première fois que je fais un truc bien. 10-4, on va déposer l'otage et le rompo. Ça marche, on le garde en attendant. 7-7 pour 39. Putain! 10-4? Y'a une cotillette qui vient d'arriver sur les lieux, donc faites attention. 10-4. Okay. Elle est où? Je me permets de prendre la carte d'identité. Monsieur, vous allez nous expliquer plus. Sur Vinewood. Ok, je prends ça pour un nom. On y va, Tango 0. Bah, pied négatif, dedans y'a personne actuellement. On est sur une prise d'otage, du coup. Là, on est actuellement en 1050 du fugitif B. J'occupe une fois. Bien sûr, 37. Non, il va se. Ne te fais pas payer au 55! 55! 4-4. OMG, le prime de Youngfu! Du coup, vous m'avez dit, vous êtes pas blessé, rien du tout, hein. Non. Rien du tout, oui. Pas besoin de MS, du coup. Hein. Explique-moi, petit enculé, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'insultez, en gros? Ça fait plusieurs jours que je travaille. Dis-moi la vérité, je travaille pour lui, c'est pour ça qu'il m'a pas braqué, parce qu'il sait qu'il a ma femme en otage. C'est-à-dire que je peux pas me rebeller, je peux rien faire. C'est pour ça que je suis rentré pacifiquement avec lui. Mais c'est qui les autres là qui viennent de venir là? C'est ton pote? Il a envoyé une position, c'est ça? Je sais pas quel autre. Tu sais, le 4x4. De la même couleur que votre voiture là. Je n'ai pas vu ou entendu de 4x4, monsieur. Et vous êtes qui vous du coup? Rainer. Je fais de la musique. Un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Rainer? Bon bah voilà, l'attente de pied du coup. Bah Rainer, ta carrière de musique c'est fini aujourd'hui. Prenez son identité, s'il vous plaît, les collègues, comme ça on va. Rainer, du coup, que je vois sur le MDT là, déjà pris avec son casier, déjà pris sur une vente de drogue. Vente de drogue, ouais. Rainer, vous avez encore ça. On en fait quoi du 55? Moi je pense qu'on va l'emmener MCD, on fait une belle interrogation. Écoute, c'est toi le lead. Là, ce qu'on fait, on va l'emmener MCD, on va le laisser pourrir un peu en cellule, le temps qu'on fasse la poursuite, et on revient avec lui. Ça marche, Rainer? Non, ouais, pas de soucis. Ça marche. Je tout, moi. J'arrive, je ramène le rompo. On va le mettre en garde à quelques temps en vrai, 55. Ouais, on va faire ça. Le temps de faire la poursuite. T'inquiète. Oh merde! Oh pardon, collègue. Ah. Allez, rentre. Allez-y, on vous ouvre la porte. Ah là 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 là, Rainer.
Est-ce que vous y attendez qu'on était là? Mais non, mais moi c'est bien fait pour lui, moi je m'en fous. Oui, 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 ta gueule. Eh, tu vas pas me la faire à moitié que je suis flic, charge. Eh, 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 je suis parti du MCD, monsieur. C'est quoi ça, MCD? La brigade anti-drogue. Major Crime Division. Ouais, là, je... La BCSO, ou c'est... C'est mieux, c'est mieux. La BCSO, c'est pas trop... Il fait partie de la DO, hein. Les collègues... On avait déposé un véhicule à MCD? Oui. Ok, bah c'est lourd. Et du coup, tu travailles pour qui? Parce que tu dis que tu travailles pour eux, là. C'est qui, eux? Alper Bracho, c'est pas infos. Non, tu sais quoi? Tu me diras plus tard, l'interrogatoire ça marche. T'auras le temps de bien, là t'auras une dizaine de minutes pour réfléchir. Bah, j'ai besoin de réfléchir. Voilà, d'abord, si on est disponible pour se déployer, si vous avez besoin. Ouais, descendez. Ah, c'est 08. Allez, on descend. Allez, venez, allez-y, je vous mets de là. On revient d'ici 10 minutes. Ok. Faire du sport en cellule ou quoi? Oui, bien sûr, allez-y. Oui. 39 pour la DOA, ne libérez pas l'individu en cellule, s'il vous plaît. Et du coup, 39 pour 07, on revient sur la poursuite, faites un backup, s'il vous plaît. 37 a eu un souci, du coup, il a perdu. Oh non! Ah, désolé, mal de crâne. Non, ça arrive. Tu as la plaque ou pas? On a la plaque, oui, je crois. On a la plaque? Les gars, on a la plaque? Ça sert à rien qu'on bouge, hein. On a la plaque? La plaque, je devais la prendre, mais il s'est barré. On n'a pas la plaque, capitaine. Mais j'ai formellement reconnu l'individu, je pourrais le décrire robotiquement. C'est bien ça, c'est ce qu'on veut, ça. On fait quoi? Tu fais son interrogatoire tout de suite? D'ailleurs, capitaine, c'est moi, j'ai trouvé l'endroit. Merci, merci, capitaine. Tu fais plus trop de faire ceci, quand même. Bon, on va l'interroger maintenant, du coup. Bah ouais. Oh merde, on lui a rien retiré, si? On n'a pas fouillé ni rien. Si, je l'ai fouillé, t'inquiète. Enfin, je l'ai pas fouillé, je sais pas le pays. On a enfermé sans lire les droits, merde. Non, mais t'inquiète, c'est MCD, c'est pas police. Ah oui, donc ça va. Donc ouais, t'as encore, le temps, là. On peut même le faire des bavures et le torturer, par exemple, je crois. Hein. On va le torturer, ouais, je pense, ouais. C'est toi, nous, on connaît pas la DOA, hein. Nous, on est en observation, hein. Bonsoir, monsieur, allez-y, ouvre. On vous ouvre. Monsieur, réveillez-vous. C'est la police. Ouais. Je suis réveillé, désolé. Allez, venez sur moi. Ok, je vous suis. Monsieur, attendez, mettez-vous contre le petit mur ici, je vous palpe, s'il vous plaît. Enfin, on vous fouille directement. Hein? Bah, sortez, monsieur. Ou à l'intérieur. Oh là, c'est quoi, monsieur, ces petites graines là? Bah, monsieur? Monsieur? À Olyunit, je viens d'avoir l'information qu'il y a un exemplaire noir occupé 4 fois. Bah, il est où? Qui vient de prendre en otage une dame. Il y a trop fait pipi, tu vois pas là? Ah, oui, fait pipi. Fais-moi à boire 55, s'il te plaît. J'ai à boire, moi. De toute façon, les 4 individus super soif. Tiens, frérot. Réitérer 37, s'il vous plaît. Ça se voit pas, ça. On a une dame qui s'est fait prendre dans l'otage pour un exemplaire noir occupé 4 fois au niveau du match de foot. S4, vous l'avez encore? Armé et masqué. Non négatif, j'ai eu l'information au téléphone. Bien reçu. Je t'ai passé un queutru, je sais pas si du liquide, ça se boit, je crois. Ça se boit pas? Ah merde! Vas-y, bref. Bon, ah merde! Tiens. Ah non, tu peux le garder. Quelle accoupie! Accoupie! Ça là-dedans, là, dans les chiottes. Attendez, on va l'attendre. Mais pour moi, les gars, faut lui retirer la machette, non? On l'a eu en fragment délire. Par contre, j'ai toujours soif, hein? Bah ouais, non? T'as toujours. Tiens, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ah, ah merde! Crash, t'es mort. Ah ouais! Non, mais. Y en a, dites-vous, ils me connaissent dans le chat avec les TikTok accoupis. Parce que je crois que ça fait beaucoup de vues. Mais les frères, je vous dis honnêtement. Manger ton flingue, hein, c'est bon, on est plus sous pression là. Oui, c'est vrai, j'ai peur. Par contre, on les a vus rentrer. Attends, je vous dis après. Ils étaient déjà dedans. Quoi? Ouais, tu sais, quand on les a vus avec la voiture arriver là sur le labo. Ouais. Alors, on est arrivé en courant parce qu'on les avait pas vus rentrer de base. Comment ça se fait? Ils sont arrivés trop vite. Ah merde. Et vous savez que j'ai failli me faire prendre l'otage, moi, pour de vrai. Hein. Ouais, bah on est arrivé rapide. Ça s'est joué à une seconde. Ah si, oui. Putain. Non, c'est pour ça que de base, j'étais pas trop chaud que tu ailles dedans tout seul. J'ai pas visé dessus. Ouais, mais bon, il fallait que je sois à l'intérieur pour voir ce qu'ils font, pour vous dire s'ils vous remontent ou pas. Après, t'aurais pu te cacher dans le coffre, ils t'auraient jamais vu. Mais je me suis caché. Mais justement, je me suis caché dans le bureau parce qu'il y avait pas de coffre là-dedans. Donc je me suis dit, ils vont jamais rentrer dans le bureau. Alors que dans justement le coffre, bah, là. Ah, il se réveille. Enfin, Monsieur Reiner, la bête de cirque. Et ouais, les gars, le truc accoupi là. Je le ferai pas tout le temps, les frères. Hein. Justement, faut que ça reste un truc drôle. C'est votre numéro. Non, c'est plus celui-là.
Sinon c'est pas drôle. Ah bah donnez-moi le nouveau. Capitaine, on reste dans le secteur de Ganton ou pas? Je peux sortir mon téléphone, vous pouvez me le donner? Bonsoir monsieur, ouais, oui. Ouais, on roule, venez, venez. Pour le moment. La dame 26, on va aller. Attends, je fais juste un jour sur MDT. Ouais, ouais, ouais. 67, 36. 67, 36. Dora, capitaine. Ouais, dis-moi. Ma dernière date, bismillah. On reste dans le secteur de Ganton, hop. Et vous pouvez donner votre, votre téléphone non, à 30 minutes. Elle m'a dit, je suis pas là, j'ai un truc à faire, elle m'appelle tout à l'heure. Non, donnez-moi votre téléphone. Parfait. On passe en tout secteur. On est donné, hein. Merci. Alors viens collègue, viens. C'est où la salle? On va faire une vraie enquête de ouf. Eh monsieur, ma première enquête, vous allez voir, vous êtes dans la merde. Tango 0, je vous lâche pas, aucune issue de sauvetour. Sauvetage. J'ai un homme reproché, moi. Tu vas voir, tu vas voir. Hop là, ici. Et d'ailleurs monsieur, quand je vous ai fouillé, c'est quoi la graine là? C'est des graines pour faire de la coke. Ah ouais? Passez-la moi. Tenez. Y a-t-il... Ah, je me mets derrière la vitre, j'arrive. Merci. Allez, bobo. Alors, passez-moi votre carte d'identité, ressortez-la moi là. Monsieur, vous êtes dans la merde. Je vais tout trouver sur vous. Ok. Ok. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Nazibert. Comment s'appelle votre fille là, qui, votre femme qui se fait prendre en otage? Tania. Tania? Oui, Tania. Elle est prise où? En otage. Je sais pas. Asseyez-vous, vous stressez là, asseyez-vous. Et c'est quoi votre code? 4-0. Allô? Ok. Donc vous êtes monsieur, dites-moi maintenant, vous êtes complice ou vous êtes juste fait avoir dans un mal dans le sac? Je suis juste fait avoir, en gros je vous explique. Attendez. 39-16 pour interrogatoire au MCD. Allez-y, dites-moi. En gros je vous explique, la dernière fois j'ai vu un gros 4x4. Qui roulait, je les ai suivis. Et j'ai vu quoi dans le coffre? De la drogue. J'ai pris de la drogue pour essayer de la vendre. Non. Mais... Non, parlez-moi de l'histoire là qui vient de se passer. Là, le fait qu'on vous attrape. C'est qu'en gros, je leur dois des dettes. Ils ont pris ma famille en otage. Enfin, juste ma femme. Et du coup, j'ai pas le choix de bosser pour eux. Et je peux pas me rebeller jusqu'à que j'ai fini de rembourser ma dette. Et une fois que j'ai fini de rembourser ma dette, là, soit ils libèrent ma femme, soit ils me tuent. Et qui sont ces personnes en question? Je ne sais pas, je sais juste que c'est des latinos. T'as pas un nom, t'as pas un numéro, t'as rien du tout, latino c'est vague. Aucun numéro, aucun nom. Si, tu les as les numéros. Tu te fous un peu de notre gueule là. J'ai ton téléphone dans les mains, Là tu me mens actuellement. C'est pas vraiment mon téléphone. C'est pas ton téléphone. Ah c'est le mien mais c'est pas vraiment. Est-ce que tu veux coopérer? Et vraiment tu vas sortir rapidement? Ou est-ce que tu veux faire le guignol? Mais pour de vrai, tu risques gros. Tu sais que là, c'est, là, on parle pas d'une supérette derrière, là. Même pas d'une flicale, on parle de plus gros, là. Je coopère. Mais j'ai le droit d'appeler un avocat ou pas du tout, déjà? Ouais, t'as le droit, mais pour l'instant, on t'interroge simplement comme ça. On te pose des questions, tu me réponds naturellement ou pas. Si tu veux pas répondre, tu peux prendre un avocat. Posez vos questions, je vous réponds. Très bien. Du coup, est-ce que vous êtes affilié à ce gang, ce cartel là que je vois là? Non, pas du tout. Bah, il va pourrir en cellule. Tu peux lui lire ses droits et du coup... Attends, c'est une question. Ouais. Même pas d'avocat ni rien. Bah si, justement, maintenant on va vous lire vos droits. Vous aurez droit à un avocat pour le jugement. Parce que là, c'était un simple interrogatoire. Mais là, ça partira en jugement du coup, monsieur. Moi 39... Non, on lui pose pas... Non, 55. On lui pose pas de questions. Il va pourrir en cellule, il va pourrir là, c'est tout. Tant pis pour lui. Il veut pas coopérer, tant pis. C'est tout. Écoute, c'est toi le lead, hein. Je vais demander au capitaine. Moi je l'aurais pas senti comme ça. Avec 08, hein. Moi je pense qu'on est la police, on n'est pas des clochards. Il veut pas coopérer avec nous, bah tant pis pour lui. Je lui laisse une chance. Il veut pas, bah tant pis. Moi c'est ce que m'a prise au record. Rainer. Oui, dites-moi. Tu nous dis maintenant, c'est ta dernière chance, tu veux coopérer. Je te laisse faire, moi y'a plus de chance, moi. Tu veux coopérer, c'est la dernière chance pour toi. On te laisse repartir. Ah, derrière là-bas, tu peux voir avec le miroir. Voilà. Il est où mon téléphone? Tu réponds pas à nos questions, tu nous mens. On a quasiment toutes les preuves là actuellement. Et tu vas pourrir en cellule. Écoute, on a pas de la voiture. On a juste pas les identités de ton pote. Je demande au capitaine. On va bien regarder le groupe parce qu'en plus, il y a des positions. Capitaine? Ouais, dis-moi. Le téléphone, soi-disant otage, pardon, il est dans un groupe dans lequel il y a une vingtaine de personnes. Il y a plein de positions, etc., qui peuvent être intéressantes. Eh bah, fais-toi plaisir. Mais le truc, c'est que là, le mec, il va pas coopérer. Donc, moi, ce que je lui dis, soit vous coopérez, je lui dis trois fois, hein, trois chances, vous coopérez ou pas.
Et donc, moi, je lui propose de pourrir en cellule, faire un truc de jugement, etc. Bah, ouais, ouais. Classique, bah, en gros. Et tout, quoi. Bah, faut appeler le procureur et tout, quoi. C'est ça. Ouais, ça marche. C'est toi qui gère. Ça marche, ok. Allez. 139 il a dit quoi? Il a balancé deux de blaze. Il a dit quoi? Il a dit un certain Leandro. Attends, vas-y, continue, Rainer. Vas-y, continue. Leandro, c'est déjà. Attends, je prends le téléphone. Mais va falloir appeler le procureur, etc. Vous lui avez lu ses droits? Non, toujours pas. Non, il n'y a pas encore besoin, hein. On l'a pas encore mis. Oui, pour l'instant, il est juste otage. Ah, mais en plus de ça, hein, il lâche, hein. Il lâche des blazes. Ah, il est coopératif, là. Hein. Qui est ce Leandro? Dites-moi en plus. Je sais pas, c'est juste que. En gros, il exporte de la. Attendez. De la marchandise. Venez, on check. Quel genre de marchandise? 25 février, c'était hier. C'est tout? Il y avait que ça? De l'exportation maritime ou aérienne? Alors, ou alors même là, terrestre? Non, là, c'est pas du tout. Juste qu'il exporte. Et voilà. Non, là, c'est d'accord, très bien. Alors, je vais pas te mentir, mon petit Rainer. Au début, tu voulais pas coopérer, d'accord? On t'a un petit peu menacé. T'as commencé petit à petit à nous dire des choses qui nous intéressent un peu plus. Attendez! C'est-à-dire que là, on peut continuer dans cette voie. Tu peux continuer à donner des informations. Et tout va bien se passer pour toi, d'accord? Help! C'est comme tu veux, c'est à toi de choisir. C'est qui Ivaro? Dis-moi la vérité. C'est un cousin à moi. Fils de pute, il était avec toi sur le truc. Tu crois que je suis con ou quoi? C'était lui le preneur d'otage, non? Non. Attends, c'était lui le preneur d'otage ou pas? Est-ce que non, c'était lui? Pas lui. Est-ce que c'était lui? Non, ce n'était pas lui. T'es sûr? Sûr et certain. T'es sûr? Sûr et certain. Tu te fous de ma gueule un peu. J'ai le droit et tu fous son téléphone. C'est... Non, c'est lui, non, mais c'était lui. Ivaro, c'était le mec qui était du coup avec lui. Mais il te faut un mandat pour ouvrir le téléphone de base. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez pas faire venir mon avocat là. C'est qui ton avocat? Il faut un mandat? Je sais pas, vous pouvez pas planer. Bah attendez, je vais fouiller ailleurs alors. J'attends normalement avant de me fouiller ou de m'interroger comme ça. Je dois... Donc Ivaro, après, il a dit help et il a envoyé la pause, mais pourquoi la pause elle est ici? Pourquoi la pause elle était ici alors qu'il était dans le truc? C'est bizarre, non? Les Vagos, s'il m'en plaît, ils veulent une arme. Mais le problème, c'est que c'est la crise. Ouh, les Vagos veulent des armes. Ouh, attendez, on commence à voir. Ouh là là, oh l'enquête de ouf! Attendez, mais je crois qu'on a eu. Eh, on a eu une masterclass là, le téléphone qu'on a. Eh, celui-là, faut le garder pour de ça, hein. C'est quoi le numéro de ta femme? C'est mon ex-femme, c'est compliqué. On est divorcé. En gros, le numéro qu'il avait dit qui est. Donc tu n'as pas de femme qui est prise en otage, non? Si. Ok. T'en as ou pas? Si t'en as? Oui, mais j'ai, en fait, c'est ma deuxième sim. Quand votre collègue il m'a appelé, il m'a dit Rainer, c'est ça. Il m'a parlé d'une sim 2850. Arrête. Rainer. Est-ce que ta famille est prise en otage ou pas? Bon, non, elle n'est pas prise en otage. Ah non, elle n'est pas prise en otage? Oui, mais. Tu es collègue avec eux? Attends, on t'appelle là? Je dirais pas que je suis collègue. Hein? C'est pas oui, c'est plus que ça, c'est ta famille, tu travailles avec eux, quoi. T'es... Mais bon, non, j'ai pas de famille. Si, t'es bon, t'es bref. Mais ne me mens pas, j'ai toutes les preuves sous mes yeux. Rainer. De toute façon, vous avez fouillé mon téléphone. Du tout, pourquoi? Je sais pas, vous l'avez pris, je sais pas ce que vous avez fait. Non, on a rien fait avec. Non, ouais. Pourquoi? Non, je demande, c'est tout. Young? Ouais. Je crois qu'on va laisser partir. Ah bon? On a ces informations dans tous les cas. C'est vrai. Viens voir, je vais t'expliquer bien. Vas-y. Je reste un petit peu avec toi. Le problème, c'est qu'on lui a pas lu ses droits, il a pas eu d'avocat. Mais pourquoi vous l'avez pas lu quand vous l'avez arrêté? Mais parce que on devait lui lire devant l'MCD, mais t'as tout pris de rapidité. On n'a pas pu faire grand chose. Et le pire truc, non, mais vous êtes mes collègues, vous stoppez. Si encore il n'y avait pas les droits du tout, c'est que t'as pris le téléphone. Il n'y a pas de. Ah, mais j'ai juste pris le téléphone, mais j'ai pas fouillé. Ouais, mais dans tous les cas, on a les infos. Ouais. On a l'identité. Maintenant, il faut faire l'enquête, quoi. J'ai pas fouillé, hein. Bah, au pire, t'as pas fouillé, c'est pas grave. Écoute-moi, dans tous les cas, il y aura rien qui pourra se rencontrer contre nous trois tant qu'il a pas d'amende. Ok. Et qu'il récupère bien ses affaires. Ok. Sinon, 37, il me l'a dit, on se fait dépouiller, là. Mise à pied pendant 7 jours. Moi, le capitaine, il m'a dit on a carte blanche. Ah ouais? Mais on a rien fait, hein? Non, mais faut pas aller plus loin, quoi. Ok. Ça marche, vas-y. Fais ta transac avec Ivaro. Le temps, et je note. Young? Ouais.
Il t'a expliqué? Oui, il m'a expliqué, ouais. Ok, ok, ça toi qui m'as envoyé un message, Chad? Oui, bah oui. Ok. J'ai pris son numéro. Il y a personne, c'est carré. Ah. Attends, attends, la position là-bas, faut que j'en aille aussi. Mais en fait, il te faut vraiment un mandat pour prendre son téléphone, Younger. Oui, mais tant que personne le sait, bah c'est bon. Bah là, 37, il doit être déjà au courant. Que il est au courant que moi j'ai pris mon téléphone? Bah sûrement, et surtout, bah Reynard, si jamais il le dit, frérot. Mais j'ai pris son téléphone parce que on l'a. Contre ta gueule, hein. Ok. Y a ni droit Miranda ni rien. Mais là, je suis en état d'arrestation, je comprends non, pas. Non, non, du tout, on va vous libérer. Tenez votre téléphone. Non. Petite question, quoi, comme ça. Ouais, non, on pose des questions simplement. C'est donnant, comme on dit, hein. Ah, c'est à moi que t'as donné. Vous, monsieur. Et vous ferez un son sur nous, hein. C'est pas grave, les frères, c'est pas grave. Vous m'avez juste interrogé comme ça. Ouais. Même pas d'avocat, même pas de droit, rien du tout. Bah après. Il va porter plainte. Il va porter plainte, mais bon. Venez, monsieur Reiner. Je vais être dans le caca, même si le capitaine il a dit que j'avais le droit. Ah, fallait prendre des screens. Non, c'est bon. Je crois qu'ils ont deux labos, enfin deux endroits pour faire les trucs. Ils ont ici et là-haut. Mais eux, ils s'appelaient comment les Fuego, je sais pas quoi là, les big Fuego. Pourquoi les collègues ils ont pas mis les droits? Je suis pas tout seul, ouais. On a évité la catastrophe, hein. Ouais, vraiment. Mais pourquoi vous avez pas lu les droits? Pourquoi vous avez rien fait? Et parce qu'on n'a pas eu le temps, tu l'as pris. Mais y a pas, je suis pas que moi en patrouille avec vous, les frérots. Vous n'êtes pas inactif. Ouais, mais non, on n'est pas. Pas inactif, déjà, j'ai fait la palpation, je l'ai mis des minutes et tout. Oui, quand tu fais ça, tu dois faire le de A à Z. Moi, c'est toujours. Mais non, on n'a pas eu le temps, parce qu'il y avait des 4x4 qui tournaient, c'est ce que j'ai entendu, moi. Mais oui, mais on fait ça à la MCD. Oui, c'est pareil, après, on l'a mis en cellule. Et là, il a eu. Et bah, avant de mettre en cellule. Quand il est revenu, tu t'es sauté dessus. Mais non, mais frérot, tu fais. Non, arrête. T'es grand collègue. C'est pas grave. Dans tous les cas, les infos, on les a. Apparemment, ils se fournissent au dock pour, enfin, ou au port pour les graines. Et le autre chose, c'est le boss. Les produits d'entretien, pareil, il a pas voulu me lâcher le morceau. Par contre, tout ce qui est pot de flair, lumière, tout ça, il a pas voulu me donner l'info. Ok. Mais bon, ça reste quand même mauvais ce qu'on a fait. Hein. Attends, j'en ai juste des trucs. Non, mais c'est un truc à pas reproduire. Tu vois, c'est au moins c'est un exemple à pas reproduire. Ah là, ça aurait pu aller plus loin. Il a été coopératif, il a compris. Il a une botte là. Moi, je vais devoir y aller. J'ai un gros problème là. Ah ouais. 14, le lit plus ouais. 3000 pour ma part aussi, celui qui le chope, c'est personnel. Alors attends, comment il s'appelait déjà? Les big. Big Fuego quelque chose. Big Fuego. La radio, s'il vous plaît. Il est grand les frères quand même. Il sait se gérer le collègue, non? Au revoir, Jung. Des bisous partout. Vas-y, bisous. Vas-y, on rentre au poste. Attends, je donne juste les informations. Vas-y, ça marche. Ok. T'attends sur le parking. 39, retour radio. C'est comme ça que je prends un petit 6, à tout à l'heure. 10-4. Putain, mais t'es pas DOA toi, non? Non, mais t'as personne à part 0 8 ce soir. J'ai envie d'aller en DOA. Y'a quelqu'un en DOA? Non, tu peux y aller, Yongfu. Mais il est pas en DOA le collègue. Qui? Bah c'est qui avec moi, 14. 14, tu peux aller avec. J'aime pas la DOA moi. Mais c'est pas grave, tu découvres, te plains pas. Ok, et on prend une Nora ou on prend ça? Vous prenez une Nora bien sûr. Ok. Mais on n'a pas accès, 37 ça me rend ouf ça. Pourquoi j'ai pas la mienne à moi comme tout le monde? Regarde, tu veux savoir qui a la sienne? Quincy et moi, c'est tout. Eh bah ça fait déjà beaucoup. Bah parce qu'on est les chefs, moi je suis chef d'ADD, Quincy est chef d'ADO. Bah si, non. Attends, y'a aucune banane là? Bah voilà, y'en a aucune, 37. T'en as aucune? Bah non, j'en ai aucune, j'ai un speedo. Attends, bah viens, on va aller au poste. Venez avec moi. Ah, tu gères, merci. Normalement, t'as les clés. Merci même beaucoup. Si t'as pas, et c'est un problème, ok? Non, c'est bon, parfait, merci beaucoup. Ok, carré. 14, viens, tu peux venir, 14. Si. Alors, du coup, j'ai réussi à avoir une position. C'est potentiel. Excusez-vous. Excusez-vous? Vous? Quoi? Non, vous, excusez-vous. Capitaine? Oui. Julie, non rien, faut que je vous parle capitaine. Bah viens. Non attendez, je vous dis ça à vous viens parce que vous êtes le capitaine. Viens mon carreau. Attendez, faut que je mette à côté de vous. Ah mais il y a des gens là autour capitaine. Bah je vous appelle et je vous carrément, dis. Carrément, je vais faire des messes basses. Vas-y conduis. Faire des messes basses. Merde, ah vous êtes là. Bah venez capitaine, venez. Juste à la fenêtre. Fais chier. Alors en gros capitaine, ouais. On a eu plusieurs positions sur le mec. Okay. Mais ouais. On n'avait pas de mandat téléphone.
Donc je lui ai dit que j'ai rien fait avec son téléphone, mais je les ai quand même pris des informations. Ok. J'ai beaucoup beaucoup d'informations parce que sur le téléphone. Oui, parce que de base, il t'aurait fallu un mandat quoi. C'est ça, ça. Mais bon, je lui ai dit qu'on a rien fait, voilà quoi. Moi je te fais confiance comme d'hab. Merci. Vous aurez pas dû, capitaine. Merci beaucoup. C'est un bordel de merde. Ok, bon collègue, ce qu'on va faire, on va aller à la position qu'il a, que le mec il a truc. Donc je crois qu'ils ont plusieurs endroits où ils font des plantes. Ouais. Et en gros, ils avaient là-haut là et mais à Wardog. Il y a un qui dit qu'il va pas dire à son pote, fais gaffe. Oui, bah oui, ils vont faire gaffe. C'est pour ça qu'on y va en banaliser et qu'on reste vraiment loin. On met toi sur radio au cas où. Ah oui, c'est vrai. Mais sinon, sur radio. Radio 1. Ah, peut-être là. Ok, je note ici. Si, je crois que c'était là. Mais c'est, ouais, c'est vrai qu'ils avaient parlé d'un toit dans les trucs. Viens, viens. Les caméras, y'en a ? Ouais, mais je pense pas. Du coup, de 26 à 37, il y a 14 DVPDP. Le 0226 bon. C'était maintenant là ? À 22h ? À la centrale. Attends, wesh. Allez, écoute. Oui. Attends. Ah, oh, j'y croyais pas moi, mais wesh ! On va cliquer ça en course pour. Attends. Attends, wesh ! À 22h, c'était il y a 2h. Il y a 2h du coup. Wesh. Pour 39, t'es où ? Oh ! Mais c'est eux ! Oh la dinguerie. 39 pour 14. Je regarde la caméra. Regarde la caméra, le dernier enregistrement. C'était le 4x4 qui était venu. On peut voir la plaque. Attends. Ah, c'est quand ? Regarde. La première là, le 20. Ouais. Il a bougé. Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Ah ! Attends. Mais il peut avoir plein de caméras en plus. Il y a le toit à regarder aussi. Mais non, mais du coup, attends. Non, on peut, on a les preuves pour faire la perquisition, les frères. On a les preuves. Pour le truc là-bas. On a les preuves, les frères. C'était le même 4x4 qui était là-bas. Oh, j'arrive pas à voir La Braccio, elle a été libérée, c'est bon. On a clairement les preuves. Attends, j'arrive pas à la voir. Je sais pas comment on fait pause. What? Attends, c'était quoi? Oh, celle-là, on l'a vue. Il avait dit. Oh, elle sort tous de la petite ruelle. Celle-là, on l'a vue, les frères. Vous vous souvenez? Même le collègue il a dit oh mais ils sont tous de la petite ruelle quand on allait sur la route. On l'a croisé celle-là là, on vient de la croiser. Donc ils sortent au niveau de Frigid. Donc on peut attendre là-bas si jamais. Bon bah je crois qu'il y en a gagné, il y en a qui ont gagné 3000$. Beau boulot à vous messieurs. Du coup 6000 parce qu'il y a 14 qui a mis aussi. Pourquoi il dure 10 minutes l'enregistrement? 14 occupés. Il y a d'autres caméras les frères, il y en a d'autres. Créatif, tu la colles. T'as voulu faire l'américain, Mathis. Elles sont nulles. Elles sont nulles. Celle-là elle est hyper. Oh, celle-là elle est incroyable. Attends, 14. C'est une dinguerie. Et t'as vu la voiture où t'as dit ouais, ils sortent tous de la petite ruelle. C'était elle. Attends, ça arrive, viens. Je crois que ça arrive pour de vrai. J'entends un moteur qui pète. Et t'as vu le 4x4? Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où on peut faire un mandat? Il faut la plaque. Non, mais parce que. En soi, ils ont rien fait quand ils sont venus voir 55 tout à l'heure. Mais on les a vus là-bas, sur le truc où il y avait la weed qui poussait. Mais tu sais que j'ai vu, il y avait 99 qui m'avait montré un labo dans la ruelle où ils sortaient eux. Hein. Où ça? Dans la ruelle où est-ce qu'ils sortaient eux. Il y a un labo. Mais ça m'étonnerait qu'ils font pousser là-bas, on le connaît depuis longtemps ce labo. Attends, il y a une autre caméra ici, je vais regarder. Parce que t'as vu des photos toi pas? Ils sont tous reliés les caméras. Je sais pas si tu regardes, mais les caméras en fait tu peux les... Ouais je sais. Mais c'est un panel de caméras en fait. Merde, mais qu'est-ce que je te donne là? Rien du tout. What? Mais est-ce que aussi t'arrives à voir les plaques? J'arrive pas moi. Non, c'est trop loin en fait. Mais... C'est trop loin et puis tu peux pas zoomer. Attends. Ah, faut que t'ailles pisser pour régler ça. Hein. Oh non, c'est relou. Attends, j'arrive, je regarde juste ça là, celle-là. Si ça t'arrive en voiture. Ah merde. Mais attends. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Mais du coup, ils vont être au courant. Ils vont être au courant. 37, c'est devant. À deux petites secondes, je suis actuellement à l'hôpital. Je t'appelle des pêches. Ah non, c'est la même caméra, il a raison. Ça risque d'être compliqué, je suis un peu occupé. Appelle-moi quand t'es dispo. Et après. Ah ouais, mais je pensais qu'on allait avoir un autre angle, mais non en fait. Ah non, en fait, t'as les mêmes caméras en fait. Ok. Les caméras sont toutes reliées entre elles. Tu peux naviguer entre toutes les caméras, mais tu peux pas. Y a pas d'angle où y a une plaque visible en fait. Mais on a un visage, hein. T'as vu le mec? Ouais, on a deux visages. Il était masqué. Enfin, non, pas masqué, pardon, il était tatoué au visage.
tatouage ouais. vert ouais. avec des locks. Il y a aussi un mec avec un pull bleu aussi. Ouais, t'as dit ouais, j'aime pas MCD. T'as vu comment c'est incroyable? J'aime trop moi les enquêtes. Non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est ouais, que 39. Je préfère la DD. Oui, oui capitaine. Oui. On a eu j'ai des infos de fou malade. Je suis en DO avec 39 actuellement. Ah ouais? Mais, c'est, mais elles sont illégales du coup les infos parce qu'on a, pas, on a toujours pas le mandat. Ah, mais en... bah attends le mandat alors. Ouais mais bon en fait, pour vous expliquer, en gros là, on, je suis allé sur une position qu'il y avait dans, dans leur groupe là de je sais pas quoi. Et là-bas on a vu Oh merde. On a vu un 4x4 sur des caméras qui étaient aussi sur le laboratoire là où, enfin, où ça vendait. Enfin non, où ça fabriquait. Ça poussait pardon. D'accord. Bah t'es où là? On m'impose là, j'arrive là, c'est bon, non mais faut venir en mode discret capitaine. Je vous envoie une pause okay. qu'on est à côté. Vas-y. Ça marche. Par contre, c'est quoi le point en fait que t'as eu? C'est quoi? C'est un mec qui disait ouais, il y a un rendez-vous là? Non, je sais pas, j'ai vu une pause où ça disait ouais. Je sais plus exactement pour de vrai. Parce que il faut voir. Ah, il y a une échelle qui peut monter. Parce que pour moi, c'est sur le toit. Hein. Non, non, je. Ah ouais? Ah, ah oui, ouais. C'est. Oui, et bah d'ailleurs, dans les trucs, ils ont dit ouais, venez sur le toit. Ouais, parce qu'en gros, j'ai vu une échelle là qui montait sur le toit. Ouais ouais le toit faut qu'on regarde. Je sais pas par où on peut monter par J'ai envie d'envoyer une pause à capitaine mais. 39 pour 07 sans se mettre. Venez sur ce backup là, s'il vous plaît. Et oui, et la voiture elle est sortie d'en face là. Ouais ouais. Et là bah tu continues un peu plus loin, t'as vu t'as un toit en tôle bleue là. Ouais. Et ben celui-là où il est un relié. Peu après, tu tournes à droite et t'as un labo qui descend, le même labo que t'as pété tout à l'heure. Ah tu penses en fait c'était le labo, la position? Bah non, si ta position c'est là-bas, et puis on avait vu sur les caméras qu'il y avait un rendez-vous là-bas. Après peut-être que oui, j'ai aussi le labo qui est en face, mais Mais attends, mais du coup, comment il s'appelait? Rainer? Ouais, Rainer, ouais. Mais j'ai encore, attends, j'ai encore son place. Mais lui, c'est un sacré menteur. Rainer Zao Cortez. Mais c'est un sacré menteur, lui. Truc sur le MDT. Mais c'est que... un mytho, mais il était lié avec eux. Hein, ah oui, oui. On peut aller de la dernière pluie non plus. Mais, hein. mais du coup, ah oui, ok. C'est au-dessus ou en dessous? Ah non, c'est au-dessus. Vous, okay, hein, c'est ça. Vous continuez tout droit, ouais, s'il vous plaît. Il y a un coup de feu juste à côté, capitaine. Tout droit. Ouais, il y a des vols de véhicules. On gauche. On est derrière vous. Ok, on le voit, voiture blanche. Sultan. Non, c'est là, sa droite. Juste à 39, c'était une mitraillette, hein. Faites attention. On sort, on s'arrête, monsieur. Tous les deux, oui, tous les deux là. Déjà, c'est la fête. Vous avez besoin d'autres unités ou c'est bon? Non, on est deux derrière. Oh là 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 là. Bon, on dit 56 hein. Depuis le vol de véhicule, la fait la location. Je prends la plaque. On s'en fout les volets en vrai. Ouais, on s'en beurre. Celui qui vient de poste, c'est ça? Donc vous l'appelez au téléphone. Je veux juste que toi tu me dises les infos si jamais tu vois, je le vois plus ou quoi. Ouais, t'inquiète. Par contre, fais gaffe, vu que tu donnes et que tu confies des trucs depuis tout à l'heure là, j'ai peur. Ah ouais, excuse, merde. C'est moi que vous cherchez? Soit on s'arrête? Ah non, d'accord. Monsieur, on s'arrête! Fais gaffe, il est pétardé hein. Monsieur, arrêtez-vous, monsieur. Monsieur, arrêtez-vous. Pour 307, on part dans la ruelle on foot, à l'arrière de là où on s'est garé. C'est bon, on est derrière vous. Laisse-moi passer 39, laisse-moi passer 39. Il est là. À toi. Ah, on court plus vite à sans armes. J'ai les pétardes. Ouais, mais il me faut mon arme, moi. Mais il bombarde. Droit, il bombarde, wesh. Allez, dépasse-moi si tu veux, ça t'arrive. Pourquoi je suis lent? Il est bloqué. Allez monsieur, les mains en l'air. Les mains en évidence monsieur. On l'a sur le dernier backup, bon, s'il vous plaît. On l'a. Face au mur. Eh, range le téléphone, range. Oh, je raccroche. Ok. Bon, vas-y monsieur, venez nous suivre s'il vous plaît. Oh là, les frères, on a ce soir. Ce soir, comment je suis trop fort. Comment on est trop fort ce soir! Oh là là, mais c'est la fête! Mais c'est la fête! On a juste vous aider pour monter. Allez-y, là, monsieur, je vous porte! Hop là! Hop! Ah, je peux pas, les gars! Hop! Oh merde, t'as tout niqué, collègue! Ça va aller, 39? Vous voulez qu'on vienne en support au cas où? Non, je vais chercher ma voiture, vous inquiétez pas, c'est gentil. Okay. Vas-y, garde-le, je vais chercher la voiture, j'arrive. Ouais, mettez-vous là, monsieur, s'il vous plaît. Vas-y, cette tête, attrape-le! Merci à vous, capitaine. Je vous rappelle pour la suite, on va l'embarquer. Bon courage. Merci beaucoup. Alors, collègue, on le parle, du coup, on va lire les droits ouais, quand on arrive. Ouais, voilà, là, t'inquiète pas. Là, oui, là t'oublies rien. Oui, t'inquiète pas, voilà.
Enfin, on n'oublie rien. Ok, du coup, monsieur était en possession d'un petit pétoir. Aïe. Voilà. On l'emmène au poste de police, hein, pas... Pas monter dans le véhicule tranquillement, monsieur, allez, on y va. Aïe. Du coup, comme vous l'avez dit, hein, pas titulaire du permis de port d'armes. Hein. Ou la voiture. De toute façon, si le... Attends, venez, on va faire confiance. C'était, c'était fini, hein. Monsieur, dans la boîte à gants de la voiture, vous avez posé quelque chose ou pas? Zéro. Code moral. Rien du tout? Rien. Ok. Vous vérifiez, s'il vous plaît. Eh ben, je vous fais confiance, les frères. Et bah, pourquoi vous avez tiré, monsieur? Il m'a tiré dessus, je vous jure. Ah, mais faut pas le pointer avec votre arme, là, vous avez vu. J'ai pas pointé. Vous avez vu. Mais, vous avez fait un carjacking, il s'est défendu, le monsieur. Sans faire exprès, j'avais mon arme dans les mains, tu vois. Genre, il est sorti d'un coup, il m'a tiré dessus. Et ben, j'ai pas me laissé tuer quand même. Bah ouais, mais bon, faut pas sortir son pétoir pour braquer des voitures non plus. Bah, fallait que je meure. Arrêtez les gars, wesh. Vous l'aurez pas sorti. Comment de ça, il a les clés, c'est peut-être le labo. Les frères, c'est quoi ce raccourci de faux malade? Vous avez pas joué RP ou... Les gars, laissez-lui une chance. C'est quoi ce raccourci de fou? Un autre. Alors, vous pouvez sortir. Arrêtez, wesh. Voilà. Super. Vous avez une petite pièce d'identité ou pas? Ça baxe de ouf, wesh. Oui. Ok. Hop, je vous des menottes. Hop, vous pouvez me la présenter, s'il vous plaît? Je crois que c'est parce que j'ai trop de trucs sur moi. Alors, monsieur Blax, nous sommes le dimanche. Est-ce que vous avez vu entrepôt? C'est bon. Les frères. Garde à vue. En état d'arrestation pour les faits suivants: possession d'armes sans permis de port d'armes. vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera et pourra reconnu contre vous lors d'une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat, ainsi d'avoir un avocat présent lors de votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis. Non, mais laissez les modos, c'est pas grave. Votre temps d'interrogatoire. Enfin, non, ouais, non, non. Vous non. avez le droit à des soins médicaux si vous en ressentez le besoin, ainsi que de la nourriture. Vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits. 39, tu parleras maintenant, cellule, s'il te plaît. Je vais appeler un avocat. Et ça marche. Venez, venez. Mais d'office, bien sûr. Je vais récupérer l'hélicoptère. Oui, bien sûr. 4, j'arrive sur le toit. Il y en a sur le parking. Bah alors monsieur, qu'est-ce qu'on fait là? On tire sur les gens maintenant? Mais j'allais pas me laisser mourir, excusez-moi. Eh oui, mais monsieur, vous savez que c'est illégal de porter une arme sans PPA. Bah oui. Peut-être que vous avez un PPA? J'ai perdu monsieur. Vous l'avez perdu? Bah oui, surtout le... Je suis gentil, je vous ai pas mis le vol de véhicule. Hein. Allez-y monsieur, rentrez dans la cellule là, rentrez. Ah là 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 là. Hop, du coup j'ai appelé un... Ah là là. Ça devrait arriver. Ça devrait arriver, hein, ça devrait. Pas sûr. Ça arrive pas, comment les gars? Je ferme à clé, à clé. Oui, bien sûr. À clé. Oui. Avec la clé, hein. Clé, clé. À clé. Clé, clé, clé. Vu qu'il demande un avocat, est-ce que j'appelle le proc? C'est ça ce que je veux savoir. Ah, je... Chiap. Ça faisait que... On fait quoi de lui, collègue? J'attends l'avocat. Et là, je suis en train de faire... Enfin, je vais faire sa fiche rose, là, pour les entrées sur toute cellule. Allez, allez, ça marche. J'appelle le capitaine pour savoir ce qu'est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on fait, là? Capitaine. Oui. J'ai un problème. Quoi? Parce que du coup maintenant je sais pas si j'enquête ou pas. Sur quoi? Bah sur le truc qu'on a trouvé. C'est toujours derrière la sultane. Tout à l'heure qu'on a... Tu peux? Parce qu'en fait réellement on a pas vraiment de... le mec, j'ai vu son téléphone, oui, mais j'ai pas de mandat pour voir son téléphone. Il le sait pas, heureusement, mais bon. Bah oui, mais du coup les infos sont pas recevables du coup. Mais pourtant elles sont réelles les infos. Oui, bah elles sont réelles, mais le problème c'est que si... si lui il dit ça à son avocat, l'avocat vise de procédure, le mec est libre, tu vois. Mais après, il a aucune preuve que j'ai fouillé. Bah, s'il a aucune preuve, ouais, mais il va te demander comment t'as eu tes infos, tu vois. Bah, je dis que j'ai fait une enquête. Ah, je suis dans le pare-brise. Aïe. Ok, c'est bon. Ok. Non. Bah, c'est comme tu veux. Soit tu. C'est la surveillance en fait. Ou. Comme tu veux, tu peux continuer à enquêter. Peut-être t'auras le gros lot plus tard, tu vois. Ok, ouais, bah je pense que je vais continuer à enquêter parce que vraiment ça a l'air grave intéressant. Parce que regardez, vous voyez les mecs qu'on a attrapé sur les plantes? Ouais. Et bah après il y a un 4x4 qui est venu, je pense, pour venir les aider. Et dans les messages j'ai vu help. Et donc c'est sûrement eux qui sont venus. Et. Le 4x4 qui était à côté. Voilà le 4x4, oui. Et ce 4x4 là, je le retrouve sur les lieux où je voulais vous emmener là. Sur des caméras. Bah tu peux faire la surveillance pas très loin, ouais. Ouais, ouais, je pense, ouais. Mais c'est pas. Mais si, ouais, vas-y, faire ça, je vais. Mais ça va être compliqué, mais je vais faire ça, ouais. Ça marche. Ok, merci à vous.